Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu apprécies comme moi cette lumière quand elle arrive le matin dans ton salon. Et peut-être que comme moi, tu as envie de méditer en ce moment. Je vais simplement te montrer ce que quelques minutes de méditation ont pu avoir comme effet sur ma journée. Et c'était pas du tout prévu, mais comme tu vois sur les images là, ça m'avait un petit peu chamboulé. Il y avait des choses comme ça que j'ai pu comprendre juste en quelques minutes de méditation. Et tu vas voir que très rapidement, j'ai pris mon carnet pour mettre encore plus de sens à tout ça, créer des liens et gagner en clarté mentale sur ce que j'avais ressenti. Donnez-moi de l'eau, pitié. Vous avez vu en direct live, en quelques temps d'auto-coaching et de méditation, j'ai juste compris pourquoi j'attirais en boucle les mêmes situations. Et tu vois, c'est bizarre parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive à mes clientes. C'est à la fois j'ai la sensation d'une grande clarté, à la fois j'ai mon corps qui est en train de me dire oui là on est sur un sujet épineux, et puis à la fois je sens qu'il y a des parts de moi qui veulent pas que je comprenne tout, tu vois, et que là il va falloir ralentir. Ça fait ça un coaching en fait. C'est puissant parce que d'un seul coup ça vient balayer des croyances qui sont très fortes, ça vient remettre en question finalement la façon dont tu percevais ta vie. Et je m'attendais pas du tout à faire ça ce matin. Je voulais juste filmer un truc tranquille, moi. Je suis surprise en fait. Si à toi aussi ça t'arrive là, que ce soit en sortant de séance de coaching ou que ce soit en faisant du travail sur toi, que ce soit en conduisant, n'importe quoi, tu sais, des fois on a ces espèces d'épiphanies comme ça. Ce que je t'invite à faire pour maximiser le truc, c'est laisse ton corps déjà alchimiser ce que tu viens de comprendre, ce que tu viens d'écrire. Laisse-toi du temps pour apaiser parce que t'es certainement en train de toucher quelque chose que ton système nerveux a mis en place, ou des traumatismes ou des choses comme ça pour te protéger. Si tu es adepte comme moi de la prière à tes anges, à des dieux, à la vie en général, tu vas pouvoir juste faire une demande que ça se passe en douceur pour toi, que ces intégrations se passent et que tu puisses aussi lâcher prise sur l'apprentissage qui est en cours. La conscience là-dessus a fait 70-80% du boulot. Le reste viendra en son temps. Une des choses que j'aime le plus faire pour me garantir une clarté mentale, c'est de bouger mon corps, de faire un petit peu de sport. J'avais pas forcément envie cette fois-ci de partir à la salle, donc j'ai utilisé tout ce que j'avais à la maison pour suivre mon programme du mieux possible. Et voilà, je savais que je venais de dire qu'il était bon de ralentir, etc. Mais pour moi, ça fait partie du prendre soin de mon corps, de m'écouter et... En tout cas, cette pratique-là, j'ai fait en sorte qu'elle reste douce et qu'elle reste dans mes capacités du jour. Mais ça m'a donné beaucoup de clarté mentale et c'est ça pour moi l'intérêt du sport. Ensuite, je suis simplement allée prendre ma douche, mais j'en ai profité pour faire un rituel de purification au gros sel. Donc simplement en venant passer du gros sel sur le corps pendant la douche avec l'intention de purifier mes énergies, mon mental, mes croyances limitantes, qu'elles viennent de moi-même ou des autres. Et puis je me suis habillée en prenant soin d'avoir une tenue à la fois légère et qui comprime pas mon corps, parce que ce jour-là il faisait extrêmement chaud. Je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais elle est confortable et j'adore sa couleur, donc pourquoi pas, je me sentais plutôt bien finalement. Et comme on était en début de semaine, j'en ai profité pour voilà, planifier tout simplement les contenus que je voulais faire, regarder mes statistiques au niveau du podcast et voilà, avancer la semaine tout simplement. Je viens de finir de vous enregistrer le podcast et comme vous le voyez, j'enregistre aussi pour la vidéo de cette semaine.
Le midi, je me suis fait une salade quinoa, pastèque, tomate, concombre et poivron avec quelques nuggets végé et du ketchup, juste parce que j'avais envie tout simplement. Et pour faire une petite pause dans la journée, mais c'était vraiment une journée très fatigante avec cette chaleur dans le sud de la France, j'ai tout le temps envie de dormir. J'ai fini d'enregistrer 2 podcasts supplémentaires aujourd'hui. Je voulais juste te dire du coup que la semaine prochaine, de lundi à vendredi, il y aura 1 épisode par jour. Je croise les doigts, j'espère que je vais arriver à les faire, mais normalement demain j'en enregistre 3 autres et ce sera bon. Pour te donner rapidement des nouvelles en général, je trouve que en ce moment il y a vraiment quelque chose qui m'invite à me déposer et je trouve ça fou que ce matin, juste en prenant le temps, faire un petit peu de méditation, de journaling, c'était pas du tout prévu au départ dans la vidéo. Et en fait, je suis contente que c'est pu être pris comme ça en vidéo, ce moment un petit peu de compréhension comme ça qui jaillit pour que tu puisses comprendre un peu l'effet que ça a. Et puis surtout, c'est bon quoi, ça fait du bien de se libérer. Enfin vraiment, je sens depuis une libération qui s'est passée. Donc je t'invite, si tu te sens bloqué en ce moment, ou que tu te sens particulièrement en intuition aussi, à venir te déposer avec toi-même, en tailleur peut-être, fermer les yeux et te poser une question toute simple. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Quelles sont les réponses qu'on peut t'apporter là maintenant? C'est quelques questions, j'espère de tout cœur qu'elles vont t'aider. Et moi, je vais reprendre le cours de ma journée qui va être vraiment encore dans cette douceur. Merci de m'aider à trouver en moi la force de pardonner et ainsi de me défaire de ce poids qui alourdit mon âme et ma vie. Merci de m'aider à me pardonner à moi-même et à ceux qui m'ont fait du mal afin de me libérer de ces chaînes qui me condamnent à l'ombre. Par le pardon, merci de me permettre de faire la paix avec moi-même et avec les autres et de lâcher prise de la douleur et de la peine pour que je puisse vivre à nouveau dans la lumière. Ainsi soit-il. Ces pratiques-là, elles sont faites vraiment pour me redonner une sensation peut-être d'équilibre dans la journée, une sensation de complétude au fur et à mesure de la journée. J'ai passé mon second trimestre, de l'année 2023 à être moins proche de ça, à le faire un peu moins. Et j'ai vu la différence. Ça, la prière, le travail du mindset et surtout les temps de méditation et de connexion à moi-même, ou peut-être je vais parler à mes anges, à mes guides, ça me donne un ancrage, une force. Et ça faisait quelques mois que j'avais pas ressenti ça aussi fort. C'est des périodes de vie des fois où on délaisse quelque chose qui pourtant nous fait du bien, on le fait un peu moins, on le ressent moins fort aussi. En tout cas là, je vais simplement me faire à manger et savourer le reste de ma journée. Et puis je pense que je vais te laisser petit à petit pour garder un petit peu des choses privées, mon cocon, mon espace, mais c'était cool ce petit vlog, non? C'était cool. Est-ce que tu savais que les brocolis, en manger, ça suscitait dans tes hormones, ta biologie, ta chimie interne, plus de bonheur? Voilà, j'ai appris ça il y a pas longtemps, du coup je comprends pourquoi j'adore consommer ces petits arbres, voilà, j'adore ça. C'était très simple mais très bon, c'est une recette que je fais très régulièrement, simplement des brocolis au four, on les met pendant une vingtaine de minutes, accompagnés de 2 œufs au plat, et voilà, c'était très simple mais ça a suffi à mon bonheur pour cette soirée. Là-dessus, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao !